C'est le bras droit du président nigérien Mohamed Bazoum, 60 ans, rêve déjà de succéder à Mahamadou Issoufou. Candidat à la présidentielle du dimanche 27 décembre, Bazoum est connu au Niger pour sa grande fidélité au chef de l'État et au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme créé en 1990. Membre fondateur du PNDS, il occupe le poste du président du comité exécutif de ce parti depuis l'accession en 2011 de Mahamadou Issoufou à la magistrature suprême. Ce professeur de philosophie collectionne les casquettes de ministre, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine ou plus récemment ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation. Mohamed Bazoum démissionne du gouvernement en juin 2020 pour se consacrer à sa campagne électorale. Une campagne dirigée par Sani Mahamadou Issoufou, le fils du président Issoufou.